Hello, coucou tout le monde, c'est Yota, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure épique sur Darksiders. Et je crois, les amis, qu'on peut le dire, cette série va durer bien longtemps. On est à l'épisode 29, si je ne m'abuse. On va commencer tout de suite, je vais vous mettre le petit point sur l'histoire. Hop, comme d'habitude, le petit rappel de là où on en était. On se reprend tout de suite après, les amis. Le point sur l'histoire. Une grande arène tachée de sang. Un géant vaincu. Une dette payée au prix fort. Mais la faveur d'un roi n'est pas si facilement gagnée. Il doit avoir ses sujets morts. Ok, les amis, alors la dernière fois on avait fait des quêtes secondaires. On va continuer cette semaine avec des quêtes secondaires. Hop, que je vous montre. Je me fais attaquer. Donc je suis au fjord. Pourquoi je suis au fjord? Donc je me suis renseigné pour cette quête-là. Et les graines, en fait, on peut les dropper en fait sur les bestioles qui sont juste là, qui sont en train de m'attaquer. Donc j'en ai déjà récolté 5 pour pas que vous ayez tout le farming. Bon, c'était rapide, mais que vous n'ayez pas tout le farming. Ensuite, au programme, on va se faire la quête des exsangues. On va essayer de se faire les 6 dans cet épisode. Alors, comme la semaine dernière, je ferai pas mal de cuts. Donc, pour vous montrer à chaque fois où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'elles sont, j'en sais rien. Où est-ce que sont les exsangues et faire le combat et voilà. Et ensuite, si on a encore le temps, bah écoutez, on continuera la quête principale. Allez, c'est parti. On va faire ça déjà. Hop. Ok, donc déjà, on va pouvoir se téléporter. Ici. Pour pouvoir continuer la quête des chroniques des anciens, si je me rappelle bien. Alors j'essaye de faire en sorte que les épisodes soient pas trop longs. C'est pour ça que maintenant je vais faire pas mal de cuts pour les quêtes secondaires surtout. Hein. Clairement les donjons des quêtes principales on les fera ensemble, ça c'est pas un problème. Mais pour les quêtes secondaires je préfère faire des cuts maintenant, comme ça vous évite toute la route, toutes les TP, tout ça. Alors, donc j'ai les Tu es graines. de retour? Quel manque de foi, chaman. Voilà vos graines. Comme toujours, tes motivations sont difficiles à cerner. Mais tu as ma gratitude. Ok. Trouver les chroniques des fondateurs. Cavalier. Ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'ils me disent combien il y en a? Non. Où est-ce que c'est? Potion de courroux, non. Ok, ça a l'air d'être automatique. D'accord. Bon, écoutez les amis, on va aller directement. Cette fois, on va y aller ensemble. On va aller jusqu'au premier exemple. Donc, je sais où sont les deux, trois. Enfin, je sais où il y en a trois, quatre. Je sais plus exactement lesquels c'est. Là, je sais où il y en a deux en particulier. Plus celui qu'on avait vu dans l'autre monde, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tombeau du roi détrôné, Argoul, si je me rappelle bien. Alors attendez, c'est vrai qu'il y a ce petit passage là. Hop. On va essayer de faire ça rapidos quand même. Alors je sais pas du tout. Alors je suppose que les exsangues sont des créatures plus fortes que la moyenne des créatures qu'il y a dans les zones quand même. Faut pas déconner. Donc. Le premier exsangue est ici dans le Val du Patriarche. Et il est tout au fond là-bas. Et je sais également pourquoi on ne pouvait pas attaquer l'exsangue qu'on avait vu déjà précédemment dans l'autre monde. Ben, c'est tout con en fait. Hein. Là normalement vous allez le voir.
Il devrait être par là. Oui, il est là, voilà. Il est juste ici. En fait, c'est tout simple. Le mec qui nous a donné la quête, il nous a donné une amulette, qui est celle-ci, qu'on va équiper. Et en fait, elle nous permet de faire apparaître les exemples. Alors, espérons qu'on n'ait pas trop de bugs dans cette partie, parce que ça commence à me gonfler, moi, ces crashs du jeu là. Ok, le premier est mort. On a pris cher, donc on va prendre une petite potion de soin quand même. Le second, si je me rappelle bien. Il est dans la zone de gauche là. Dès qu'on arrive sur la zone, si je me rappelle bien, il est à droite. Je veux pas dire de conneries. Mais je crois qu'il est là. Non, pas ici. Pas ici, pas ici. Je l'ai pas fini finalement ce donjon. Il y a moyen que je le fasse quand même en off. Parce que je suppose qu'il y a quand même des genres de, je sais pas moi, des déchets, des livres du. Des pages du livre, des morts. Ce genre de choses. Alors, si je me rappelle bien. Ah non, il est pas là. Il est pas là, il est pas là. Je me suis planté. Écoutez les amis, je vais cut la vidéo. Ah, attendez, juste, est-ce que par hasard, si je m'en rappelle bien, là-dedans, ici, là, dégage-toi. Dégage. Où est-ce qu'elle est? Merde, j'étais persuadé qu'il y avait. Ouais, voilà ça. On va voir ensemble si c'est bien ça, les reliques dont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un objet qu'elle nous a donné? Marteau de Sylve 100. Merde. Peut-être qu'il faut sauter tout simplement, j'en sais rien. Bon, apparemment c'est pas ça, je me suis planté. Ou alors il faut que j'utilise peut-être ça. Non. Peut-être que ceci. Attendez, on va se mettre là-haut. Apparemment, c'est pas ça, hein. Bon. Écoutez les amis, je vais cutter la vidéo ici pour qu'on puisse aller faire les exemples rapidement et on se reprend au second. Allez, c'est parti. Re les amis, alors normalement, si je dis pas de conneries, en fait, il fallait juste continuer un petit peu. Et il devrait être par là. Ah, il est là.
peux plus bouger, gros. De pas prendre des milliards de dégâts non plus. Recule, recule, recule. Voilà, 2 sur 3. Alors je vais pouvoir vous laisser ici pour celui-ci. On va se retrouver au troisième. A tout de suite les amis. Re les amis, donc on se retrouve une nouvelle fois dans le fjord puisque le dernier des exemples de ce monde est juste ici. Hop. Quelque part par là. Voilà. Dégage, tu m'as saoulé gros. Allez, on va se le finir comme ça. C'est un plaisir, les amis. On se fait un petit plaisir. Hein. Voilà. Ok, donc on a les trois exemples de la terre de la forge. Ce que je vais faire, c'est qu'on va... Je vais aller faire le chemin jusqu'à l'autre monde, de trouver les exemples. Et pareil, bah, écoutez, on se fera les trois exemples dans cette session. Allez, c'est parti, à tout de suite. Re les amis, et du coup on se retrouve au nord du pic du serpent. Parce qu'on a l'exemple qui est juste quelque part ici. Ah, ouais, d'accord, super. Le seul problème de celui-ci, c'est qu'on a du mob à côté qui te les brise facilement, hein, on peut dire quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il a cette espèce de carapace, lui. Ok. Faut avouer qu'il fait quand même mal, le petit scarabée, là. Ok, ce qui nous en fait un en ce monde-ci. On va se reprendre tout de suite, je vais aller chercher le deuxième, à tout de suite les amis. Ok les amis, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais normalement, si je me trompe pas et que je dis pas de conneries, il devrait y en avoir une, ouais d'accord, juste ici. Aussi là et dégage, gros. Tu ne m'intéresses pas. Je kiffe cette esquive. Je kiffe cette esquive. Allez. Donc ce qui nous a en fait 5. Donc il nous reste plus qu'un exemple, une exangue à défoncer. Je vais aller chercher la dernière et on se reprend après. Ok les amis, donc je me suis renseigné. Il s'avère que pour l'instant, je peux pas aller chercher le dernier exemple. C'est pas grave, on va faire la quête principale en attendant. Donc il faut juste aller voir le roi. Et aller là, tiens. Je n'étais jamais allé ici. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'intéressant par hasard? Genre, je sais pas moi, une pièce ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc?
Ah oui, c'est pour les messages. On verra plus tard. Ok, bon. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans la quête principale, du coup, pour combler le manque d'exangue de cette vidéo. On va juste aller remettre le dernier des seigneurs au roi. Hop. Ou alors faut parler à lui. Salut gros. Vous me faites perdre mon temps. Super. Ok. Voilà. Parfait. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Tous des traîtres. Mais tu as ma gratitude. Je vais t'envoyer vers un de mes sujets qui sait comment rejoindre le puits des âmes. Mais avant, tu as des démons à affronter. J'en ai déjà suffisamment tué. Pas comme cela. Un grand pouvoir sommeille dans cette amulette. Mais ta honte t'empêche de le libérer. Je n'ai aucun regret. Oh, je vois au-delà de ta chair, là où se livre le véritable combat. Ok. Je sens que lui, déjà je l'aime pas, hein, c'est un connard. Séparation de la loi. Hein. Vous désormais séparer son esprit en deux parties. Vous pouvez déplacer et contrôler séparément sa forme physique qui se pétrifie et devient quasiment invulnérable. What the fuck? Attends, mais je suis où là? Et toi, t'es qui? Cavalier. Ah. Qu'avez-vous appris du baron des eaux? Il est fidèle à sa réputation, mais pas à sa parole. Notre monarque a permis votre passage vers la Cité des Morts. Qui dois-je chercher dans la Cité des Morts? Inquiétez-vous plutôt de celui qui vous cherche. Chancelier, répondez à ma question. C'est plus drôle si je ne vous dis rien. Alors taisez-vous. Je surveillerai mes arrières si j'étais vous. Qu'est-ce qui m'attend dans la Cité des Morts? Cadavre mis à part. Une chose bien plus précieuse que la chair et les os. Des âmes. Issues de tous les royaumes de la création. Là-bas, elles sont lavées de leurs péchés pour pouvoir renaître à travers le puits. Beaucoup ne survivent pas à cette purification. Certaines perdent la raison. Quelques-unes parviennent même à s'échapper. Ah, très bien. Bah attendez, faut que j'aille où là? Excellent. Ok. Attends, mais comment je fais pour revenir à ma forme de base? Il faut que... Ah d'accord, ok. Je vois le genre. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Il faut que je fasse quoi là? Les gars, je suis où? Donc, je suis dans la cité des morts.
C'est pas là qu'il faut que j'aille. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, rends-toi utile un peu. Ouais, non, c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille. Attendez. Ça doit servir à quelque chose, ce pouvoir-là. Genre, je sais pas, moi... Genre, si je lâche, ça revient, c'est ça. Marde. Bon, ça va, j'ai compris. Alors, il faut que je change de forme tout en maintenant le bordel. Parfait. Et du coup, ça va s'ouvrir. Ah. Bah écoutez, d'après mes renseignements d'ailleurs, le dernier exemple, eh bien, il est dans la Cité des Morts. Donc ce serait excellent de le trouver dans cette vidéo. J'en suis pas sûr, mais ça serait excellent. Explorer la Cité des Morts. Déjà, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien les amis, c'est qu'on va se remettre ça. Ça me plaît ces cris, ça me plaît. Wow. Excellent. On va devoir se battre comme ça. Si c'est le cas, c'est génial. De là. Alors, on a un coffre qui est juste là. Bon, par contre, les gars, vous faites trop de bruit. Franchement, fermez-la. Je peux. Non, je peux pas leur tirer dessus. Le mec qui veut tirer sur n'importe quoi, sans déconner. Ok. Allez, suivant. Il a l'air d'avoir du gros qui sort là. C'est quoi ce bordel? Allez, dégage. Ça se passe plutôt bien les combats quand même les amis, ils sont pas vraiment très compliqués, on a un stuff qui est vraiment super bon en fait. Ils peuvent quasiment rien faire, j'ai envie de vous dire. Ah très bien, on a explosé un pilier, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se battre? Bon les gars, vous commencez à me saouler là, à crier comme ça. Ok. Ah, déjà ça, ça m'intéresse. Parfait. Donc nous avons complété le second chapitre. Ah. J'ai une question. Est-ce que...
C'est là, donc du coup, on a trois trucs. C'est vraiment la folie. Allez, monte. Parfait. Ok. Écoutez les amis, c'est dans cette magnifique salle avec ses squelettes de partout que nous allons nous laisser pour cet épisode qui fut plein d'histoires et de combats contre des exemples d'ailleurs, qui était plutôt sympathique je trouve. Donc on va se laisser ici. N'hésitez pas comme d'habitude à clapper, hein, commenter, liker, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Nous on se dit à la semaine prochaine, ciao tout le monde.